Alléluia. 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 Marie est donc porteuse de grâce des sacrements de Dieu le Père. Puisque par Marie nous avons la paix. Puisque par Marie nous avons la connaissance. Si Jésus est la faveur de Dieu, si Jésus est dans la faveur et qu'il a porté Marie, alors Marie est porteuse de grâce. Bien-aimés frères, pourquoi accepter Marie chez soi? Pourquoi accepter Marie dans notre vie? Marie est un canal par lequel Jésus vient nous rencontrer. Si Jésus est le roi, si Jésus est le roi, si Jésus, le fils, est le roi, la mère du roi s'appelle comment? La reine. Bon, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Mais aller un peu trop loin et dire que la mère de ton Seigneur est sirène des eaux, c'est pas conseillé. C'est pas sage. Qui aime Jésus? Qui aime le sang de Jésus? Qui aime la puissance de Jésus? Quand tu portes un enfant dans ton sein, dans tes entrailles, qui nourrit l'enfant? Pourquoi il a 1 mois, il a 2 mois, il a 3 mois, et puis il a 9 mois? Qui lui donne à manger? C'est le sang de qui circule dans les veines de l'enfant? Bon, imaginez si Marie est sirène des eaux, Jésus est quoi? Il est poisson de la mer. Dis à quelqu'un, n'accepte plus jamais ce genre de légèreté. Tu peux ne pas avoir des arguments, c'est normal. Tu peux ne pas avoir la présence d'esprit pour répondre, c'est normal. Mais n'accepte jamais que quelqu'un puisse t'enlever la grâce de Marie dans ta vie. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Si Jésus est le roi, Marie est la reine. Et tant que le roi règne, la mère règne. Si Marie n'était pas importante, Jésus dans son agonie, il allait mourir vite et très vite. Mais dans son agonie, dans sa douleur, il cherche des apôtres. Il cherche quelqu'un à qui confier sa mère. Ça fait partie des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Où il appelle Jean. Il dit, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. C'est un mystère. Si Marie n'était pas importante, Jésus allait commencer à... Il allait s'occuper des clous qui étaient entre ses mains. Des clous dans son pied. Mais malgré la douleur, il cherche qui va prendre soin de sa mère. C'est de ce Jésus-là. Et c'est de sa mère qui parle comme ça. Non! N'acceptez plus ça. N'acceptez plus ça. L'église est ouverte. L'église tolère. Mais il faut aider les gens à comprendre les déviations. Que les catholiques n'acceptent pas les déviations. C'est pourquoi un chrétien catholique prie à l'église catholique. Un chrétien catholique a pour pasteur les prêtres. A pour guide les prêtres. N'aie pas peur de prendre Marie chez eux. La Bible, ce n'est pas l'excitation. Ce n'est pas les costumes. La Bible, c'est la révélation. Bien-aimés frères, j'aime pas qu'on touche à cette femme. Alléluia. Marie est la femme de l'esprit. Dis à quelqu'un, Marie est une femme de l'esprit. C'est pourquoi Marie est liée à l'esprit. Elle savait que l'heure de Jésus était arrivée. Elle a poussé au miracle. Marie est une femme de l'esprit. C'est pourquoi quand Jésus est mort, il a rendu l'âme. On a posé Jésus dans les mains de Marie. Si Marie n'était pas une femme de l'esprit, elle aurait fait scandale et fait un funérail Bethléem en même temps. Elle est restée calme, silencieuse, sereine, le cœur déchiré par la douleur.
mais les yeux dans l'espérance, les yeux dans le ciel. Elle savait que c'était le plan de Dieu. Elle savait que c'était la voie obligatoire. On ne pouvait pas contourner cette voie. Si le monde devait être sauvé, c'était l'objectif de son oui. Voici les douleurs de Marie. Acceptez de prendre Marie chez vous. N'ayez pas peur de Marie. Alléluia. Alléluia. Je voudrais en finissant qu'on comprenne quelque chose. Marie n'a pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Non. Marie a reçu l'Esprit de Dieu avant la Pentecôte. Luc chapitre 1, verset 26. Et l'Esprit du Seigneur descendit sur elle. Lisez bien. Elle a reçu la visitation. Elle a reçu l'Esprit avant la Pentecôte. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Marie est allée au Cénacle pour qu'on sache qu'elle est la mère de l'Église. Dis Amen. Elle n'est pas allée au Cénacle pour aller recevoir l'Esprit comme les autres. C'est l'Esprit qu'elle a reçu qui lui a donné la force de concevoir Dieu. La simple présence de l'Esprit de Dieu, regarde ce que ça crée en toi. Mais elle, déjà à 16 ans, elle a reçu le Père, elle a reçu le Fils, elle a reçu l'Esprit. Et elle ne dandinait pas pour dire, regardez-moi, Dieu est trop rempli, quoi. Elle était sereine, calme. Pourquoi? Elle avait déjà été choisie pour cette mission. C'est pourquoi l'Église parle du dogme de l'Immaculée Conception. Quand vous allez dans le livre de la Genèse, on vous explique que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne. Donc celui qui voit Dieu, il va exploser. Il va mourir. Mais Dieu décide de quitter son trône. Laisser les anges prendre la condition d'un homme et venir au monde par un homme. Si Marie n'avait pas été préparée à cela, lorsque l'ange l'a conçu, a commencé à concevoir Jésus, Marie allait exploser. Dis à quelqu'un, affaire de Marie, il faut commencer à charger. Dis encore à deux personnes, affaire de Marie, il y a révélation dedans. Il y a puissance dedans. Il y a autorité dedans. Alléluia. Vous allez voir que le diable a peur de Marie. C'est pourquoi l'objectif du diable, c'est de passer par des gens un peu bizarres pour faire croire que Marie n'est pas importante et qu'on ne doit pas prier Marie. Je vous dis et je vous répète, affaire de Marie, ce n'est pas dans l'excitation de veste. Affaire de Marie, c'est dans la Bible. Quand on dit, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Allez dire aux gens qu'il faut aller un peu à l'école. Quand on dit quelque chose est biblique, ça ne veut pas dire que c'est écrit noir sur rouge ou bien noir sur blanc. Quand on dit c'est biblique, ça veut dire que est-ce que c'est dans la pensée de Dieu? Oui. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Oui. Est-ce que Dieu travaille avec? Oui. C'est ça qu'on appelle c'est biblique. Quelqu'un m'entend? Y a-t-il des enfants de Marie ici? Merci pour ce cadeau.